Bonjour, aujourd'hui on va évoquer la recharge sans fil. C'est la nouveauté de l'iPhone 8, de l'iPhone 8 Plus, mais aussi de l'iPhone X. Alors on parle de nouveauté pour chez Apple, c'est pas franchement une nouveauté pour les autres fabricants puisque c'est déjà présent sur de nombreux téléphones de longue date et en particulier chez Samsung. La nouveauté pour l'iPhone, c'est la présence d'une boucle d'induction qui est nichée au sein de l'iPhone, on ne la voit pas. Mais on a quand même un indice, puisqu'en fait, on est passé d'un arrière en aluminium à un arrière tout en verre, hein, qu'on voit sur cet iPhone 8 Plus. Cet iPhone tout en verre, cette vitre arrière, permet simplement de laisser passer l'induction qui arrive d'une bobine et qui se transmet au sein d'une bobine également dans l'iPhone. Alors, la bobine, il faut se dire que c'est très très fin, hein, c'est de cette taille-là à peu près. Ça, c'est un exemple de bobine qu'on peut ajouter à un iPhone. Standard, simplement via la prise Lightning, et qui donne la possibilité d'utiliser la recharge à la norme Qi sur des iPhones standards. Donc vous voyez, c'est très fin. Pendant qu'on parle de Qi, donc le Qi c'est la norme qu'a choisi Apple, une norme ouverte, c'est une première et c'est une super bonne nouvelle, parce que du coup on peut trouver de nombreux chargeurs, des chargeurs dans le commerce qui sont déjà disponibles. En attendant qu'Apple sorte son AirPower, une solution améliorée qui recharge plusieurs machines en parallèle, dont l'Apple Watch, qui n'est pas compatible directement avec les chargeurs Qi. Alors des chargeurs Qi, en voilà un exemple, un tout rond, tout petit. En voilà un autre, c'est une plaquette tout simplement, c'est pas très épais, il y en a des plus fins, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, il y en a des verticaux, il y a un petit peu de tout. Et puis là j'ai un dernier exemple qui est marrant, c'est une batterie externe en fait, qui est compatible Qi, qui a sur le dessus sa propre bobine, et petite spécificité, elle se recharge aussi sans fil, on verra ça un peu à la fin si on a du temps. Alors, pour montrer comment ça fonctionne, et puis essayer de répondre aux questions qui ont été posées sur le site, c'est tout simple, hein, on a une base, elle est alimentée, on le voit avec la petite lumière verte qui est ici. On pose l'iPhone dessus, bon, dans une position qui est compatible, et immédiatement, il est détecté, la recharge se met en route. Donc là, on peut le voir, hein, la lumière là est devenue bleue, c'est le signe que la charge se passe. Alors, on peut relever, ça va s'arrêter, c'est repassé au vert, on repose, c'est reparti avec un petit signal sonore. Alors, on se pose la question de la distance, mais on va faire l'expérience tout simplement. On va approcher la machine et on va voir à quel moment on a le son. Il faut que je sois bien aligné. Voilà, donc là, on n'est pas collé, hein. Voilà, donc on est à quelques millimètres. Alors, ce qui pose la question qui est classique, c'est quid des protections? Alors, les protections, on a essayé, hein, tout simplement. On a essayé avec ce type de protection très très fine. Aucun problème, ça fonctionne. On va le faire rapidement. Voilà, c'est parti, ça charge. Mais on l'a fait aussi avec une protection silicone beaucoup plus épaisse. Vous pouvez nous croire sur parole, ça fonctionne. Et la question avait été posée dans les commentaires également avec une coque Lifeproof, hein, donc ces coques étanches. Là également, donc on ne l'a pas testé directement, mais je remets la coque tout de suite. Vous allez voir qu'en le posant l'un sur l'autre, ça fonctionne bien. Voilà. Pas de problème, donc l'épaisseur qu'on a en supplémentaire ne pose pas vraiment de soucis. Donc une bonne latitude sur les protections, il ne devrait pas y avoir de gros soucis. Par contre, on doit éviter une chose, et ça c'est extrêmement important de le savoir, on doit éviter ce type de petite pastille qui se met sur l'arrière des iPhones pour souvent les mettre sur des supports de voitures magnétiques. Donc là c'est tout simple, si on a ça, normalement ça ne marche pas. Et voilà, on n'a pas eu la lumière bleue. C'est incompatible. Donc les plaques métalliques ou les coques métalliques sont à oublier pour pouvoir profiter de la recharge sans J'avais fil. évoqué en début de présentation cette petite batterie externe, donc qui est un peu classique en termes de port, hein, puisqu'on retrouve la sortie USB, on retrouve une entrée USB pour la recharge. Mais celle-ci donc permet de recharger un iPhone compatible avec la recharge sans fil. Voilà, donc là la petite lumière bleue, le petit signal sonore, tout ça c'est en marche et ça va se recharger pendant le temps qu'il faudra. La durée de recharge, il faut compter 2 heures, 2 heures et demie, c'est un peu plus long qu'avec, alors pas forcément avec ça, avec cette batterie, mais en général c'est un petit peu plus long qu'avec le chargeur standard livré avec l'iPhone, mais pas beaucoup.
Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des chargeurs plus puissants, notamment ceux de l'iPad, forcément, ça sera beaucoup plus long. Mais globalement, on ne perd pas tellement par rapport à la solution standard fournie par Apple. En ce qui concerne cette batterie, on disait au départ qu'elle a une petite spécificité, c'est qu'en fait, elle se... Bon, déjà, elle s'allume avec un tactile, ça c'est marrant, mais surtout, elle se recharge soit avec de l'USB, soit également sans fil. Elle a une double bobine, une sur le dessus et une sur le dessous, qu'on ne voit pas. Voilà, donc c'est la Itchy Stone, on en parlera dans l'article associé à retrouver en bas de vidéo. Voilà. Donc maintenant, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Voilà la démonstration de la recharge sans fil. Pas de souci pour les coques. Attention aux pastilles arrière. Des accessoires, il y en a plein, beaucoup. La plupart sont compatibles. Il faudra veiller un peu à la puissance parce qu'Apple va augmenter la vitesse de recharge en passant de 5 watts à 7,5 watts. Donc c'est aussi un peu à voir au moment de l'achat. Mais à part ça, c'est une solution qui est standard, qui marche bien. Il y a de l'offre. C'est rare qu'Apple permette ce type de compatibilité, donc profitez-en. Si vous avez des iPhone 8, 8 Plus, X et sûrement certainement les prochains, vous pouvez profiter de la recharge sans fil. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. À très bientôt sur la chaîne YouTube iPhone.fr. Suivez-nous, mettez des petits pouces bleus, tout ce que vous voulez, et puis faites passer le message. À très bientôt.